les Néferariens et les Néferariennes, j'espère que vous allez bien en ce avant-dernier jour, avant le week-end et l'avant-dernier jour de septembre. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo haut l'action. Je pense que ça va être mon dernier haul action puisque comme beaucoup j'ai reçu ma taxe foncière donc c'est assez cher et je vais avoir une grosse réparation à faire sur la voiture, donc il va falloir changer la courroie, donc ça fait beaucoup de sous-sous à donner. Donc voilà, il faut que je fasse un effort de plus aller chez Action. Surtout que là, voilà, j'ai repris 2-3 petits trucs. Mais ma fille aînée serait là. Elle me dirait, maman, tous les ans, tu dis que tu rachètes rien pour Noël. Et tous les ans, eh ben, tu rachètes. Voilà, je suis faible. Malheureusement, mon point faible, je pense que c'est Noël. Parce que c'est vrai que... Action, il y a toujours des belles choses et même si là j'ai envie de recraquer pour deux petites choses, je pense que je vais laisser tomber. Alors, tout d'abord, une nouveauté chez Action. J'ai trouvé ça trop beau. C'est à 18,95 €. Donc c'est un sac cadeau Noël avec décoration et LED, donc je sais que le boîtier il est à l'intérieur, donc je vais vous le montrer. Voilà, j'ai craqué là-dessus. Donc ça c'est la hotte. Alors le sac cadeau. Et voilà ce que ça représente. Le nounours assis sur le tabouret. Il y a des boules, un sapin de Noël. Alors, je vous le tourne. Il y a un cadeau blanc et un cadeau vert. Alors ça s'allume. Donc là, il y a une petite guirlande LED. Là, vous voyez les... Non, là, on va voir. Là, vous voyez les câbles. Sauf que... pour trouver le boîtier, c'est assez galère. Puisque, en fait, le boîtier, il est dans la hotte. Il est là. Donc, il va falloir que je creuse... Que je creuse pour aller le rechercher. Il est là. Aïe, yeah. Je l'ai. Donc en fait, voilà, ça fonctionne. J'ai le boîtier. Hop. Donc à pile. Donc il faut 3 piles normales. Alors il est bien caché en fait. Attendez, faut que j'essaie de le refermer maintenant. Mais tu vas rentrer, oui. Qu'est-ce qu'il nous faut comme bruit dans la vie? J'arrive même plus à le refermer en fait. C'est assez. En fait, c'est pénible à refermer ce truc. Ouais, je sais. Bon. Si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, ça veut pas. Alors, c'est des systèmes de crochets pour le refermer. Et là. C'est où ça va dans un sens, ou ça va pas dans l'autre. Alors, enfin bref. Attendez, je reviens. Alors, j'ai réussi. Alors, en fait, il y a le boîtier va se trouver dans la doublure, en fait, du sac. Si je me trompe pas. Non, c'est pas là. En fait, c'est là, voilà. Enfin, je crois. Voilà, en fait, vous avez... Voilà la petite pochette. Voilà, j'ai fouillé. Dans le magasin, j'ose pas trop. Donc, vous remettez le boîtier à pile dans la petite pochette. Et il faut renfoncer le tout, voilà, dans la hotte. Comme ça, ni vu ni connu. C'est à poser. J'ai trouvé ça trop mignon. Ma petite puce qui était avec moi, elle a largement craqué là-dessus. Elle me fait, oui, maman, on prend. Mais c'est vrai que c'est trop mignon et... je peux vous dire qu'il y avait une autre dame qui était avec moi dans le rayon Noël, pareil, avec ses deux enfants. Et les trucs de Noël, elle a littéralement craqué dessus. Elle en a même pris un comme moi. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites boules. Voilà. Je trouve que... Pardon. Didine, je sais ce que tu vas dire que je baille. Mais j'ai moins baillé aujourd'hui.
Donc voilà, je trouve que ça manque un petit peu de déco dans le sapin. Donc vous me connaissez, je vais en rajouter. J'ai des petites boules roses, blanches, ben je vais rajouter ça. Voilà. Hop, ça c'est une des nouveautés. Ensuite, j'ai pris. Alors, oh, c'est au fond. Voilà. J'ai pris un tapis de neige comme ça. Parce que j'ai envie de refaire un village de Noël. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce que j'ai mon lapin. Mon petit lapin Nesquik qui aime bien grignoter tout ce qu'il trouve. Mais bon, gare à ses dents, hein. Je rigole. Alors, le tapis, c'est 1,89 € les 1 mètre carré, par contre. Et franchement, il y a de quoi faire. Donc, je suis contente. Alors, ensuite, je vais rester dans le Noël. J'ai pris un casse-noisette pour mon fils. Je lui avais montré en photo et il m'a dit, celui qui a l'épée, il m'intéresse. Donc, je lui ai pris celui-ci. Et le casse-noisette, c'est 4,99 €. Pour le moment, je pense qu'ils vont être en promo d'ici bientôt. Donc, ça, c'est pour mon fils. Ma petite puce, je vais lui retirer l'étiquette. Parce qu'elle voulait un grand village, enfin un gros sapin avec des petits trains qui tournent. Il était beau, c'est sûr, mais 24,95 €, donc j'ai dit non. Je dis pas pour l'instant. Du coup, bah, elle a pris des petites décos. Donc, elle a pris un petit sapin comme ceci. Bon, ils y sont tous les ans, hein. Elle en a un rouge et vert, je crois, ou un rouge et doré, je ne sais plus. Et celui-là. Donc, il est rose, il est tout mignon. Et ce petit sapin, mini sapin de Noël, 2,69 €. Voilà. Elle l'a craqué aussi sur des gnomes. Alors, elle fait comme Tonton Dylan. Elle copie. Donc, elle a choisi un gnome rouge dans l'étoile. Elle l'a trouvé trop adorable, celui-ci. Alors, donc ça doit être suspension gnome, étoile ou cercle, diamètre de 14 et demi. Ça, c'est 1,44 €. Voilà. Et elle s'est pris un petit gnome rose. Et celui-là est à 99 centimes, le petit gnome rose. Voilà, elle a vu le gnome rose et donc voilà, elle a craqué. Je pouvais pas lui dire non non plus. Donc ça c'est Noël. Bon, je vais les laisser là. Qu'est-ce que j'ai pris en Noël? J'ai repris des les blocs de luxe. Donc j'en ai repris un en pâtisserie parce que je l'adore et là j'ai pas mal de d'idées en tête, donc j'ai dit il va m'en falloir un deuxième. Et bah, j'ai pris celui-ci. Voilà, donc celui-ci, je sais pas si on l'a vu chez les copinettes. Oh, mais il y a des trucs trop beaux, quoi. Donc, eh bien, il y a toujours le. Je sais plus comment vous appelez ça. Alors, il y a déjà une page de die-cut. Ensuite, c'est la page de. Je sais plus comment vous appelez ça. Le. Bah, moi, j'appelle ça du calque. Ah là, le. Oh, je sais plus. Bah, vous me direz, hein, mais je me souviens plus. Une page de foil. Vous voyez, ça brille bien. Vous avez celui-ci. Après, j'utilise pas forcément les papiers qui sont dedans, mais il y en a vraiment des très 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 beaux. Celui-là, j'adore avec du coton, des pommes de pin, c'est trop beau. Hop, oh, celui-ci, j'aime beaucoup avec les maisons. Celui-ci, c'est des boules de coton, enfin des fleurs de coton, pardon. Hop, alors là, c'est des. Si je me trompe pas, c'est des poinsettias blancs. Eh ben, c'est très beau aussi. On voit beaucoup rouge, mais blanc, on voit rarement. Celui-ci, ça fait des sapins. On dirait que ça a été fait en peinture. C'est trop, c'est beau. J'aime bien. Celui-ci, alors c'est un fond, on va dire, gris-beige, avec des petits points. Alors, vous voyez très, très peu. Et en plus, il fait pas beau aujourd'hui, donc je suis désolée si vous ne voyez pas trop. Des poinsettias rouges. Et après, on va passer au die cut.
Donc, il y en a vraiment des très, 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 très beaux. Pour ceux qui aiment bien faire des cartes du village de Noël, là, vous avez la boutique de jouets. Là, vous avez des petites maisons, mais c'est trop sympa, quoi. J'adore. Et c'est vrai que finalement, je me rends compte que j'adore le vintage Noël. Ah, c'est trop beau. Là, il y a la petite librairie. Là, c'est une petite baraque pour les marchés de Noël. J'aime vraiment beaucoup le style et tout qu'il y a dedans. Oh, avec le carrousel, regardez ça. Oh là là, c'est superbe, j'adore. Il y a vraiment de quoi faire de très 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 belles cartes ou des. Bah peut-être bien, pourquoi pas faire un décor de village. Vu qu'il y a pas mal de maisons comme ça, je vais peut-être faire ça en tuto. Ne me piquez pas l'idée, hein, attention, hein. Non, je plaisante, si vous le faites avant moi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, il y a même une maison à colombage. C'est typique de Vannes, ça, c'est très 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 beau, j'adore ces maisons. Mais j'ai une idée, donc bah, si vous passez devant, bah tant pis. Ouais, mais j'ai une belle, 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 belle idée. Ouais, franchement, là, j'avais pas tout regardé dans ce bloc. Mais alors là, il y a vraiment des trucs de fou, quoi. J'adore, regardez un petit peu. La tasse Père Noël, là, le carrousel, même là, on le voit avec des maisons. Oh ouais, là, je crois que je vais concocter un petit truc sympa. Là, il y a un peu. Alors, ça doit être des nuages, là. Et là, ça doit faire en fait une flaque de neige, je pense. Le calendrier de l'Avent. Trop bien. Ah, oh, ça, j'adore. La tasse. Avec les roses blanches et les guimauves avec du chocolat. Ça donne envie d'être limite déjà à Noël. Et bah, la dernière feuille calque. J'appelle ça du calque, je sais plus. Avec plein de messages. Donc voilà pour Noël et ça les bloque. Bloc, 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 bloc. Alors où c'est les blocs, les blocs, les blocs, les blocs. Oh purée. Cacahuète, pardon. Halloween. Bloc de papier, donc c'est 1,89 € le bloc. Et bah, j'ai pris les deux là. Voilà. Alors, ma petite puce qui est toujours avec moi. Elle est tombée dans le rayon gel douche et tout ça. Alors, comment qu'il s'appelle ça? Des galets de bain effervescents Disney. Oui, mais elle a trouvé avec des images de Noël dessus. Donc, elle a pris Minnie et elle a pris Mickey. Voilà, elle adore ces trucs-là dans le bain. Il y avait Donald, Dingo et plutôt aussi Dingo, je crois, je sais plus. Donc, ces petits galets effervescents. Alors, c'est. Non, c'est pas ça. Disney galets de bain. Si, c'est 99 centimes un seul. Donc, ça va. Bon, bah, elle a voulu les mêmes lunettes que moi. Donc, ça, je crois que c'est 89 centimes ou 99, je sais plus. Mais c'est pas très très cher. Ça, elle les voulait. Lunettes de fête, 99 centimes. Voilà, elle a voulu un fantôme d'Halloween qui s'allume en LED. Bon, elle aime bien Halloween aussi, donc bon, c'est. Je peux pas toujours lui dire non, même si je dis souvent oui. Donc, le petit fantôme Halloween, 1,99 €. Voilà. Et en plus, on l'a pas encore essayé, il y a encore la petite. Mais attendez voir. Hop! Voilà. Donc voilà, il est allumé. Voilà, ça donne. Il est trop chou en fait, ça fait joli. Là, je vois des effets de lumière là, c'est bien, c'est beau, c'est bio, c'est beau. Donc voilà, il change de couleur, c'est tout mignon. Hop, voilà, et je vais remettre la petite languette. Voilà, entre les piles. Ça, alors j'ai pris un pyjama pour ma petite puce, c'était en promo. Donc j'ai pris qu'un petit pingouin dansant. Voilà, alors ça, je crois que c'est 5,95 € le petit pyjama. Après, voilà, c'est pas Noël, hein. Je lui ai pris deux paires de collants. Voilà, des collants épais parce qu'il fait quand même bien bien froid le matin.
Alors, les collants pour ma petite pupus. Donc, c'est là. 4,69 les collants. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai pris? Bah, je lui ai pris des œufs LOL. Voilà, c'est avec des petites surprises. Bon, en général, c'est des élastiques, c'est des petits trucs comme ça. Mais bon, elle aime bien, ça lui fait plaisir. Et ça, les œufs, c'est pas très très cher. Je sais même plus. Œuf surprise, 1,95 €. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'acheter de la marque pour faire plaisir. Je me suis pris de la colle en... Comme Tadoun, de la colle en souris, comme ça. J'ai des fois, c'est bien pratique. J'en ai pris deux. Et ça, je l'ai payé... Office dévidoir à colle, c'est 99 centimes 1 et j'en ai pris deux, voilà. Et bah le dernier, j'ai pris moi pour moi une grosse bouteille de gel douche. Donc celui-là, c'est apaise et hydrate les peaux intensément. Donc c'est ce qu'il me faut. C'est que pour moi celui-là. Et le gel douche s'annexe 3,98 €. Voilà. Voilà pour mes petits derniers achats, je pense. Alors là, j'ai de la colle et l'autre, je ne sais même plus où il est. Et non, si, non, si, il est là. Donc, c'était mes derniers achats parce que, voilà, avec les grosses, grosses factures, là, on est fin septembre et on reçoit déjà tout. Donc, ça fait un petit peu mal. Ah, puis j'ai oublié de... alors attendez. J'ai oublié aussi... Bon, c'est pas du neuf, hein, mais... alors vous ne voyez pas, c'est normal. Et je me suis pris une grosse corbeille comme ça pour ranger toutes mes fleurs artificielles parce que j'ai au moins trois... j'ai trois boîtes, enfin bref, j'ai plein, 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 plein de choses. Et ça, c'était le panier en rotin. Donc c'est du 36 sur 30 sur 22, 3,62 €. Voilà. Donc voilà pour mes derniers petits achats d'action. Bon bah voilà. Donc j'ai ce qu'il faut. Je ferai avec... Pardon, avec... Didine, je t'entends. Je ferai avec ce que j'ai déjà. Bon bah je suis en train de faire des créas avec déjà ce que j'ai. Donc, voilà. Eh ben écoutez, bon, pas... il y a quelques nouveautés. Bon, ça arrive tout doucement. Par contre, les nouveautés comme le sapin, là, je sais que ça va partir très, 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 très vite. Il remettait encore, mais il y avait presque plus de dies. Enfin, bref, en dies, il n'y en a qu'un qui m'intéressait, de toute façon. Donc, il y a de très belles cartes, mais en 3D, tout ça. Mais bon, je l'ai fait moi-même. Et puis, j'ai des cartes en 3D que j'avais acheté la première année où j'ai découvert Action. Donc elles ont quoi? Elles ont 3 ans les cartes. Ouais, donc j'ai toujours pas utilisé. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que comme vous n'avez pas le mauvais temps comme moi, alors que ce matin il y avait un super soleil et là c'est gris, c'est il pleut, c'est un temps moche, un temps breton automnal, hein, on s'y fait. Donc voilà, là je vais faire une après-midi créa, je vais faire des tag house, voilà, j'allais dire des tag home, mais c'est des tag house. Peut-être que je vous en ferai en vidéo sur Noël, et puis voilà. Et sinon, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Pardon. Merci aux nouveaux abonnés, je suis très, très, très contente. J'ai vraiment... une communauté très très gentille. Ça fait un an et demi que j'ai ouvert ma chaîne. Ma chaîne a connu des pics d'abonnés, des grosses chutes. Et là, ça remonte. Je suis très contente. Merci à vous. Comme mes copines nettes disent, ne partez pas, ne partez pas. Après, voilà, je propose un peu tout sur ma chaîne principale. Ça soit des hauls, des unboxings, de la créa. Voilà, j'essaye de proposer pas mal de petites choses, pardon, différentes. Je sais que bon, mon contenu ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, j'essaye de faire en sorte que ça soit
que ça soit varié. Sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous. Allez, courage pour ceux qui travaillent. C'est bientôt le week-end. En tout cas, profitez un max. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.